Bonsoir à tous les amis, c'est Valmore 333 et on se retrouve ce soir pour la suite de nos aventures sur les Sims 4. Regardez ce personnage qui a pris du muscle. Voilà, on a commencé ce let's play, c'était les gougouttes à l'air, maintenant c'est les pecs, les tablettes de chocolat à l'air. En attendant les amis, on s'était quitté la dernière fois, si vous vous rappelez bien, j'avais ce petit souci avec Batu. Avec le DLC voyage sur Batu, puisque j'avais une mission à laquelle je ne pouvais pas me débarrasser. Mais il y a eu une mise à jour du jeu, les amis, depuis. Et sachez que le problème est définitivement réglé. Nous allons donc pouvoir retourner sur Batu, faire quelques missions, pourquoi pas, pour la résistance, et essayer d'affronter Rey, pourquoi pas. Hein. Sachez que Rey, Kylo Ren, pas mal d'autres personnages assez connus de la saga Star Wars se trouvent dans ce jeu. Moi, j'aimerais bien gratter les sabres laser de Rey et de Kylo Ren, par exemple. Pourquoi pas? Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Peut-être les affronter. Je suis prêt. Il me faudrait juste, pour pouvoir les affronter en toute tranquillité, le dernier point de fitness. Et bien sûr, j'aimerais également qu'on change bientôt de travail, les amis. Là, je suis à l'aube d'une promotion, donc on va essayer de la décrocher parce que ça fait toujours de la thune supplémentaire. Et après, on changera de métier. On pourra revenir un jour militaire si besoin. Peut-être un truc un petit peu plus léger, une salade de fruits par exemple. Aujourd'hui, c'est la bagarre de quartier, mais j'aime autant vous le dire, on ne va pas le faire parce que ça fait baisser la réputation de se battre avec des gens. Donc, négatif. Il était horrible, c'est très bien, ça ne m'intéresse pas. Ça lui donne pas de mauvais état d'esprit, donc c'est tout ce que je vois. Je vous rappelle que la dernière vidéo, on avait eu notre 10e et dernier point de cuisine. Et je me dis que cet îlot central est un petit peu vide, hein, on va pas se le cacher. Pourquoi pas un petit peu de décoration. Qu'est-ce qu'on a de sympa qu'on pourrait mettre sur la table? Ça, c'est peut-être un petit peu gros quand même. C'est trop balèze. Ça, c'est joli, mais un petit peu trop balèze aussi. Ouais, c'est pas mal. Trop balèze. Ça, c'est moche, ça va pas pour une cuisine. Si je mets ça là... Oh, c'est pas dégueulasse. On va essayer de trouver quelques petits... désordres, voilà. Ça, c'est bien, ça. Pour la cuisine, qu'est-ce qu'on a? Une petite théière. Si j'arrive à la placer. Je cherche des couleurs qui vont bien avec ma cuisine. En blanc, c'est très joli. Alors, on cherche aussi, pourquoi pas, une boîte avec tous les ustensiles de cuisine, mais ça, ça va plus ici, en l'occurrence. Attendez, je sais. Mon bac à fruits. J'espère que ça les empêche pas de manger juste devant. Et ça, ça va prendre sa place. Voilà. Puis il y a peut-être aussi des casseroles suspendues qu'on pourrait mettre. Juste devant la lampe, ça fait un petit peu bizarre.
pourquoi pas, ici c'est pas trop gênant. Ça rend plutôt pas mal, moi j'aime bien. Porte-casserole. Ouais, celui-là il est carrément plus suspendu. Moi j'aime bien celui-là, on va garder celui-là. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Je regarde un peu, on a de la thune, hein. Autant en profiter les amis. Dans le désordre, il y a peut-être des bouquins. Ça, ça s'accorde mieux avec ma chambre. Le carnet. Ah ouais, d'accord, on peut... Ah ouais, j'avais jamais fait gaffe à ça. C'est bien foutu. Et on va mettre le carnet ici. Parce que voilà, il y a du respect. Et puis ça me paraît bien. Toujours la photo de notre arrière-grand-oncle, les amis, celui qui nous a légué une partie de sa fortune, je vous le rappelle. Si vous ne le savez pas, si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite bien sûr à regarder les premiers épisodes de cette série sur les Sims 4. Et pourquoi pas les épisodes, si vous le souhaitez, des Sims 2, de toute ma série des Sims 2. Il y a 76 épisodes, je crois, ou pas loin de 80, je ne sais plus exactement. Une super série, les amis. Je ne peux que vous la conseiller. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le pouce bleu tout de suite, pendant que mon personnage mange, je vous laisse le temps. Et le commentaire, une fois que vous aurez regardé tout ou partie de cette vidéo, les amis, n'hésitez pas. Ah oui, c'est vrai qu'on a notre robot aspirateur automatique. On va l'appeler, bien sûr... Je crois que ça s'écrit comme ça. Le Roomba, qui était pour ainsi dire, iRobot, c'était pour ainsi dire la première marque à faire des robots aspirateurs. Après, ça a été copié, recopié par beaucoup de marques, et aujourd'hui on en trouve de quasiment toutes les marques existantes. Vas-y, fais ta routine de nettoyage, surtout qu'il a des grands espaces dégagés pour pouvoir nettoyer. Parce que dans un petit appart tout pourri, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors, sinon, moi j'étais en train de me demander... Oui, il faut qu'on aille au travail aujourd'hui, mais surtout, il y a peut-être des relations qu'on pourrait améliorer. Je pense notamment à notre frère. Où est-il ? Penny, ah là là, Penny, une longue histoire également. Mulder, notre frère. Je lui envoie un petit SMS de bonheur et je l'invite sur le terrain. Bah justement, je t'ai proposé. Il me propose le parc de la place des Lièvres. Allez, on y va. Si ça peut nous permettre de nous connaître un peu mieux, moi je dis oui. Nous allons refaire une mission dans cette vidéo sur Batou, les amis, pour vérifier que nous pouvons toujours essayer d'améliorer un peu nos relations avec la Résistance. Même si, étant donné leur manque de coopération, ils mériteraient que j'aille du côté obscur. Mon frère, les amis, comment vas-tu, mon cher Mulder ? On va faire un peu connaissance, lui demander... Bon, on est sous la pluie, mais c'est pas grave. La faire connaissance... Est-ce qu'on n'a pas...
Afflin Wadida. Conversation profonde. C'est ce que je cherchais. Les rapports de droits d'auteur, c'est plutôt sympa. Moi, je dis oui. Parle souvent de vous au pub de Finchwick. Vous devriez passer un de ces jours. C'est noté. Mulder et Théoden viennent de devenir bons amis. Si on ne peut plus être ami avec son frère, où va le monde? Comment s'est passée sa journée? Est-ce que je sais tout de lui? Oui, je sais tout. Bon, parfait. Bon, j'ai obtenu l'état d'esprit, bien sûr, contrarié par un contact qui fait partie de ma célébrité, mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude, on va poser pour des photos. Les gens vont devenir complètement dingues. Et en plus, ça nous rapporte de la notoriété. Moi, je ne dis pas non à tout ça. On n'a pas encore les petites étoiles qui clignotent, mais star montante quand même, les amis, c'est pas rien. On va en profiter pour faire le buzz également sur Internet. On a ramené des paparazzi avec nous. Oula, pourquoi ils clignotent en vert? Ils n'aiment pas la pluie, Mulder? Jouer le monstre de l'espace, allez go! Meilleure photo de tous les temps. Ouais, elle me rapporte que 12 abonnés hein, pour la meilleure photo de tous les temps. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mulder! Hein? C'est toi qui as voulu qu'on vienne ici. De toute façon, contrarié pour contrarié. C'est les topissimes demain. Ça pourrait valoir le coup. Ouais, mais l'événement social, on s'en bat les couilles, non? Qu'est-ce que c'est ça? Les toilettes. Tiens, bah ça tombe bien. Bah écoutez, on va farmer la notoriété en attendant. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une autre star qui s'est pointée. Ah oui, véritable célébrité. Ouais, mais je m'en fous. Viens ici. Viens ici. Montre-leur qui tu es. Mon petit Théoden. Voilà, il faut que les gens, ce soit toi qui prennes en photo. Bon, vu qu'il y a une véritable célébrité. En plus, je la connais apparemment. Nicolas Bonnet. On va faire une petite présentation chaleureuse. Mais c'est une star ou c'est un paparazzi? J'aimerais comprendre. Ah non, c'était pas lui la star, c'était l'autre. Il est où? Il s'est taillé? Il s'est taillé. Bon. Eh ben repose pour des photos. De toute façon, tu peux rentrer. Mulder s'en est allé. Mulder a l'air de passer un bon moment. Doit-il obtenir la préférence M le chant? Non. Allez, rentre chez toi. Cassos, comme on dit. Quelqu'un qui peut ressortir le meilleur. Tant mieux pour toi, mais c'est pas pour ça qu'on est là.
Et c'est uniquement une question de réputation. Ne te méprends pas, mon cher Théodène. Alors, on n'a pas assez d'état d'esprit, mais ça, ça va nous en donner. J'ai pas de vidéo en rab en plus. Non, pas là, non. J'espère que ça va passer, 2 heures, ça va être tout juste. C'est peut-être un autre état d'esprit qui va prendre le dessus, peu m'importe. Ouais, ça va être juste, hein. Ça va être très très juste. Non, ça n'est pas passé. C'est un bloc de bonheur, c'est pas grave, ça passe aussi. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. J'ai besoin de notoriété, donc tu vas t'occuper de ça tout de suite. Je travaille aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je vais y aller pour obtenir ma promotion. C'est quand même un peu plus intéressant. Ah, je l'ai déjà obtenu, mon augmentation, d'accord. Ah oui, c'est vrai que j'ai bossé de la maison. C'est vrai, rappelez-vous les amis, rappelez-vous. Et ben là, je vais pouvoir y aller. Tranquillement. Il n'aura pas le temps pour tout faire de toute façon. Je laisse terminer ces transitions et après il va au taf. Allez au boulot! Oui, Nicolas Bonnet. Je suis devenu ami en lui disant juste bonjour à Nicolas Bonnet quand même. Faut qu'on s'achète un chat ou un chien, d'ailleurs, les amis aussi. Hein. Ça, je l'avais dit. Il est temps que je sois accompagné dans ce let's play. Ouais, il a besoin de vacances, ça tombe bien, puisque de toute façon, tu vas aller sur Batou. Pas d'animaux pour l'instant, mais ça va se faire. J'aimerais que tu finisses ta vidéo rapidement, que tu me mettes ça en ligne. Que tu attires l'attention sur la prochaine vidéo, et qu'ensuite tu la mettes en ligne. On va attendre qu'il ait fait tout ça. Il est crevé, mais il va aller se coucher de toute façon. Donc la vidéo, c'est bon. Tu attires l'attention et tu la mets en ligne. C'est aussi simple que ça. Elle est bien excellente. C'est parfait. Mettre en ligne la vidéo. Non, pas descendre. Allez dormir. J'ai eu double plus sur la vidéo. C'est bien, hein, on sent que ça décolle de l'étoile. C'est l'automne. Même si on s'en fout parce que sur Batou, il n'y a pas de saison. Non. Désolé. Pas le genre de travail que je souhaite faire. Merci pour les rapports de droits d'auteur. On a dépassé la centaine de milliers de thunes. Non, que dis-je? Il me reste 9000 à avoir pour valider l'objectif. Comme c'est écrit en assez petit, ça peut être un peu difficile de voir.
Allez, c'est bon, réveille-toi. Un petit coup d'impeccable. Qui t'es, toi? C'est pas la meuf que j'ai démontée au duel. Duel pour un objet ancien. Je vais te mettre ta mine. Le salut militaire, bien sûr. On va descendre au rez-de-chaussée. Ah, elle se défile. Attendez, attendez, attendez. Une petite bidute. Objet ancien, allez. Donne-moi des objets de qualité. Mais elle veut pas. Elle se défile. Quelle lâche. J'en étais sûr. Bon, c'est pas grave. Déjeuner. Pâte à l'ail. Soupe de palourde. Allez hop. Ça, c'est du bon, ça. Une source d'inspiration. Nous pourrions peut-être ruminer des idées ensemble. C'est nouveau, ça? Moi, je voulais te faire un duel de magie, mais je vois que tu étais venu pour autre chose. Ce qui ne m'intéresse pas d'ailleurs. Par contre, je ne t'ai jamais autorisé à pénétrer chez moi. Ça va très mal se passer. Hein. Il faut que je bloque cette porte d'entrée. Et comme on est dans un appart, ça compte pas vraiment comme une porte d'entrée. Toutes les volailles. Bah au pire je la déverrouillerai quand j'appelle des gens, hein. Je sais pas comment me débrouiller pour éviter qu'il y ait des gens qui viennent s'incruster comme ça. Ils avaient dit dans une mise à jour il y a assez longtemps qu'ils corrigeaient ce problème. Hein. Bon toi. Non, cassez-vous, arrêtez, cassez-vous de chez moi. Fini ta soupe de palourde. Et on va discuter un peu. Je veux pas discuter avec elle. Bon, délirifie-moi cette crétine des Alpes-Maritimes. Refroidio, transformé, étrangifié, allez hop. Tu me fais ça bien. Voilà, elle est parfaite comme ça. Et toi, délirifié. Ça suffit maintenant. Petit problème de vessie. On va arranger ça. Elle allume mon truc de musique en plus. Hein. On va vraiment pas être copains tous les deux. Prendre des congés. J'en ai largement. Je vais te demander de quitter les lieux, s'il te plaît. C'était très sympa, effectivement. Oublie pas de te nettoyer la figure. Hein. Oh, elle est déjà, c'est déjà fini. J'aurais dû lui remettre une petite couche avant qu'elle parte. Quel dommage. C'est pas grave. Mettre en ligne une vidéo virale. Le statut. Partager une photo. On grappille le moindre petit millimètre sur cette barre de célébrité. C'est pas grave. Il est temps d'aller sur Batuu. Prendre des vacances.
Je sais plus si j'avais changé ma tenue pour aller me rendre sur Batuu, mais au pire, on le fera sur place. Parce que moi, j'ai déjà une tenue, mais il me semble que je l'avais changée. Sécurité. Batuu. Campement de la résistance, puisque je vais demander une mission. Cette vidéo est interdite par YouTube. Eh ben non, ça n'avait pas compté, puisque j'ai toujours cette tenue merdique. Donc je vais me changer, et je modifierai la tenue. Ah, il y a marqué là. Changer de tenue pour Batuu. Voilà, celle-là. J'en veux pas de votre tenue merdique. Du coup, toi, nous sommes l'étincelle. J'entends des combats au sabre laser là. J'ai peut-être rêvé. Alors, si vous souhaitez toujours perturber les transmissions, c'est la mission qu'on a déjà faite la dernière fois, sauf que cette fois-ci, elle ne va pas bugger, les amis. Je vous en fais... Non, pas le serment, parce que... Electronic Arts m'a déjà beaucoup déçu. On est plus à une déception près. Donc, pour ce faire, je vais aller à la cantina récupérer le récupérateur de données auprès du Vaurien. Maintenant, on sait comment faire, hein, bien sûr. La difficulté sur Batuu, c'est de garder ses besoins optimisés, on va dire. C'est pas toujours évident. Qui c'est qui se bat? J'entends des combats au sabre laser. Moi aussi, je veux en être! Au pire, le Vaurien qu'on va rencontrer. Un petit combat au sabre laser, ça nous fera du bien. C'est toi le contact Vaurien? Hondo Onaka? Est-ce que je peux lui demander un petit combat au sabre laser? Non. Il y a quelqu'un pour s'occuper de la cantina? Personne? Mais toi, comment ça se fait qu'on est si potes alors qu'on se connaît quasiment pas? On pourrait éventuellement demander des missions. Il est là, le contact. Donne-moi ce que je suis venu chercher. Parfait. Merci, messieurs. Ça, on s'en fout. Excusez-moi, je dois y aller. Je vais m'appeler un taxi tout de suite. Écartier du premier ordre. La musique du premier ordre. Alors, pour pouvoir récupérer ces fameuses données, il faut qu'on analyse le panneau de commande. Ça marche sur tous les panneaux de commande, donc on va en utiliser un au pif. C'est pas ça. On le réanalyse, comme ça on aura plus d'infos. Après, il y a celui, obtenir les codes d'accès de communication, c'était celui-là. Donc, analysons-le. Il faut qu'on améliore notre programmation parce qu'on est vraiment pas très doué. C'est en réécrivant le code. Allez hop, un récupérateur de données et on sera bon. Bonjour, monsieur le Troopers. Tout va bien. Je suis quelqu'un de gentil. Qu'est-ce qu'il me veut? Contrôle d'identité. Mais je suis quelqu'un de gentil. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Ma tête vous revient pas? C'est bon, il a dit oui. Circulez, merci.
Bon, vous m'excusez, j'ai des petites choses à faire. Je suis le technicien du quartier. Ça, c'est fait. Perturber les communications, il suffit de les perturber ici, tout simplement. Puisqu'on était au bon endroit. Parfait. Et faire son rapport. Vous voyez, les amis, c'était pas très long par rapport à la première fois. Et on va voir tout de suite si la mission est un succès. La musique de John Williams, bien sûr. Qui ont été remixées par un mec que je ne sais plus du tout le nom. Pour les besoins d'Electronic Arts, ça ne nous intéresse pas. Alors, faire son rapport. Je sais pas pourquoi il n'y a plus l'icône au-dessus de sa tête à elle, alors qu'elle peut tout à fait me donner des missions. Et normalement, je dis bien normalement, les amis, la mission devrait être un succès, puisque la dernière mise à jour a corrigé les petits soucis qu'il y avait. Est-ce que c'est bon pour toi, madame ? Oh non, ne me dites pas que ça bug encore quand même. J'avais corrigé le problème. J'ai même essayé en off, les amis. Non, là, il y a du... Là, je pense qu'il y a du foutage de gueule dans l'air. Donc, je vais gueuler, je pense, sur certains forums. Et je vais rentrer chez moi. Non, pas la cantina, non. Pas la cantina. Directement chez toi. On va pas faire que ça, non plus. Bon, on sera retourné sur Batou, hein, quelques instants, les amis. Alors, nouveaux objectifs. C'est pas grave, c'est pas les objectifs qui manquent. Est-ce que tu peux aller au travail, du coup ?